Bonjour. Ok. Je suis là en mission seulement pour te donner un message très court. Ok. Beaucoup d'entre vous, hein. Bon, je vais vous dire pourquoi je fais cette vidéo. Dans les listes de consultations qui est en attente, donc je zappe comme ça là, je tombe sur une dame. Elle est quelque part là-bas en bain. Donc je l'appelle. Elle me dit que voilà, elle devait être consultée depuis, ça n'a pas été fait. Dès que la femme décroche le téléphone, je regarde son visage. Les attaques. Les attaques. Il dit, waouh. Tu as pris la consultation depuis quand? Ça fait presque 6 mois. Et je ne l'ai pas consulté. Je te lave au sel. Non. Pourquoi? Le sel que j'avais pris, c'était fini. Mamie. Mamie. I beg. N'abandonne pas ton travail spirituel. Et le pire, c'est encore pire quand tu as commencé, après tu as abandonné. Parce qu'ils savaient que tu as voulu sortir du trou. Ne blaguez pas avec la fête spirituelle. Hein? Oui. Parfois tu es là comme ça. Oui. On t'a attaché. On t'a attaché. Oui. Quoi? Si le gondole moto, il n'y a pas de problème, je vais contacter l'autre numéro. Il veut partir à quel moment? Lui il veut partir. Il dit SAMU social gabonais. Oui. Au Gabon, c'est là-bas qu'on est. Attendez, moi j'ai un petit business. Donc, je me rends compte que la femme, elle a des blocages et elle ne sait pas. Elle a commencé et ça l'a giflé. Je la vois au travail, fatiguée. Je la regarde, son visage est blanc. Et moi, tu regardes moi comme mes vidéos. Ah, non. Je te lave avec le sel. Non, quand ce qui était là est fini, j'ai laissé. Déjà, même c'est un miracle pourquoi tu tombes sur mes vidéos. Moi, je te dis, moi, il y a des gens qui sont venus ici. Quand les esprits qui les bloquaient ont commencé à parler, l'esprit dit. L'esprit dit que non, nous on l'a empêché de venir chez toi. On l'a empêché de venir chez toi. La grand-mère parle, elle dit que non, moi, c'est sa grand-mère qui a fait qu'elle vienne ici chez toi. Parce qu'elle sait que tu vas la délivrer. Même seulement le fait que tu restes, si tu écoutes mes vidéos là, hein. C'est comme s'il y avait le marteau qui t'appelle, tu t'appelles, lève-toi. Comme si on te fessait sur le lit, que Lucie, Lucie. Lève-toi. J'ai dit que mamie n'abandonne pas. Tu sais depuis combien d'années j'étais bloqué là-bas en bain? Tu sais combien d'années on a bloqué, combien de fois on a bloqué ton mariage? Tu abandonnes quoi, tu abandonnes quoi, mamie? Combien de business tu as lancé, on a bloqué? Écrivez ici, je n'abandonne pas. Je vais maintenant vous faire les déclarations quand je parle chaque fois. Je n'abandonne pas.
Et tu seras le plus attaqué dans le domaine que Dieu t'a appelé. C'est le doute que tu veux voir. C'est le manque de confiance en soi que tu veux voir. Tu investis, boum, ça tombe. Tu achètes les habits, tu lances, tu mets dans l'eau, pam, ça, le bateau coule. Un jour, je travaille sur une femme. Les esprits qui la bloquent parlent à travers elle. Qu'elle a, on a déjà tout fait, n'abandonne pas. Elle a tout, on a tout fait, n'abandonne pas. C'est même quoi? Hein? On l'a empêché même de venir ici. Le jour-là, la femme était venue s'asseoir sur le canapé dehors là-bas. Elle a dit que, elle était sur le canapé, elle priait. Que Seigneur, ouvre seulement ma porte. Qu'un agent qui tombe, elle a attendu, attendu, quelqu'un lui envoie 15 000. Pam, elle prend dans la secrétaire, que voilà mon avance. Maman, tu abandonnes, tu es fini. Parce que si tu continues d'avancer, éventuellement tu vas arriver. Éventuellement, écrivez, je vais arriver à destination. Tu commences, quelqu'un dit, fais comme s'il est gentil, il t'escroque, il part. Quelqu'un dit, fais comme s'il est gentil, bam, il t'escroque. 5 escrocs en 5 ans, 5 escrocs en 5 mois. Tu ne peux pas abandonner. Levez-vous, 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 levez-vous. Et parfois, ça te fait comme ça, là, tu te dis que, ah, j'ai annoncé aux gens ici, là. Premier mariage, tu as chanté, parlez encore. Dindi, parlez encore. Deuxième mariage, tu as chanté, parlez encore. Quatrième mariage. Non, on ne peut pas se marier, il ne peut pas m'épouser. Ma chérie, crois encore. Hope again. Tu vas voir ton centre va prospérer. Tu vas voir tes clients. Ton centre de formation, les gens vont venir. Je dépose l'onction de la persévérance sur toi. Je déclare que tu ne te critiques plus. Parfois, tu te compares. On évolue, maman. Oh, cuir. Oh, yoa. Oh, cuir. Tu grandis. Arrête de te taper dessus. Toi, il y a 6 mois et toi, maintenant, tu n'es plus la même femme. Je viens fortifier ton cœur. J'enlève les paroles qu'on t'a dites là. Les paroles qui t'ont maintenu au sol. Je t'enlève ces paroles. Reçois l'onction de la persévérance. La Bible dit, ne vous fatiguez pas de faire du bien. Parce que dans la bonne saison, vous allez récolter. Écrivez, ma saison est là. Allez. Tu vas essayer jusqu'à ce que tu vas trouver la bonne formule, ma chérie. No giving up. Tu as suivi? Tu as suivi? On va dire que la fille là, elle se prend même pour qui? C'est toi. Oui. Ta saison est là. Tu ne vas pas abandonner. Tu viens ici, ça ne donne pas, pap, tu tournes là-bas. 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 Inquiète. Tu ne fais pas ça, tu fais quoi d'autre dans ta journée? Tu fais quoi de ta journée, mamie? À part visionner. Tu arrêtes ça rapidement. Remets-toi à la besogne. Teste les recettes jusqu'à ce que tu trouves la bonne recette. Papa, tu cotises l'argent comme tu vends les un plat là. Cotise l'argent pour vivre ton restaurant. Si tu savais les gens qui ont peur de toi dans ton quartier. Ils vont venir devant toi. C'est petit. Ton local, c'est petit. Hein? Dites-leur que la reine Jocelyne a dit que mon local est grand. Écoutez, je vous donne les décrets. Je vous donne les autorisations signées spirituellement par moi. Ton local est petit. Hein? T'as fait... Mais c'est seulement une personne qui est venue se former. Mais
Avec tout l'argent que tu as dépensé là. Mince. Je viens fermer la bouche de tes ennemis. Je ferme la bouche de tes ennemis. Ils ont eu tort de s'attaquer à toi. Tu as demandé le visa, hein? Donc tu voulais partir aux États-Unis? Tu connais qui là-bas? Tu n'as pas le sponsor. Tu n'as pas rien. Je fais taire les langues, les voix de vos ennemis. Je ferme leur bouche. On te demande que tu te crois ou tu te prends où? Tu dis que la reine Jocelyne a dit que je peux. Voilà ton autorisation là-bas. Je déclare que tu peux. Mais Nawetina, tu te prends pour qui? On ne s'attaque pas à un oint de Dieu. C'est nos filles. Tu veux la couronne, hein? Tu veux la couronne? Moi, Evan, vous savez qu'elle est faite en dessous. Bangui, tu es dans quel pays? Tout ce que vous voyez sur moi, ça se vend. Je vous vends pas pour moi, bien sûr. Je commande pour vous. Ça se vend. Ça, c'est le gros. Voilà le petit. Ça, là, ça se vend. Depuis hier qu'on m'a donné, ça n'est pas enlevé sur ma tête. Je crois que j'ai même dormi avec. Je mets comme ça là. Ils sont petits. Ils sont petits. Ils savent que tu es. Ah. Il y a un jour que je suis allé un jour quelque part faire un travail. Il m'a vu là-bas. Il m'a manqué de respect. Ouais, comme j'avais laissé en confiance, j'étais moi. Quelques semaines plus tard, il savait que le monsieur en question vient chez moi. Il arrive chez moi, il fait comme ça là. Il ferme sa bouche. Il n'aime pas parler. On vous a sous-estimé pour rien. Vous me suivez? Ta force là, tu ne discutes pas avec quelqu'un. Tu n'es pas là pour gna. La force est tranquille. Il y a même des gens qui ne méritent pas ta salive. Hein. Qui te cassent pour être justifié là-bas pour rien. Est-ce qu'une riche, une reine. Oh, j'allais dire une riche. Oh, Jocelyne. Oh, j'aime riche. Hein. Est-ce qu'une riche comme moi? J'aime le mot riche là. Hein. C'est bon jusqu'à. C'est bon dans ma bouche. Une riche, oh my gosh. Je suis la riche Jocelyne. Oui, la riche Jocelyne. Oh, c'est comme ça que les lapsus font créer les choses. Écrivez, mettez riche devant votre nom là. Riche Cindy. Riche Bangui. Mettez-moi ça un peu devant, je vais voir à quoi ça ressemble. Prononcez votre nom un peu. Vous allez voir comment ça a le goût. Il est sweet. Allô? Tu vas entrer, tu vas d'abord bien voir. Tu connais exactement ce qu'il veut. Voilà. Pas de problème. Bye bye. Riche Anelka. Riche Nina. Hey, le frisson de ça. Je vais changer mon nom. Tu veux mettre le nom de ton mari? Non, je vais mettre riche devant. Ton prochain enfant l'appelle le riche. Riche. Riche Franklin. Riche Franklin. Bienvenue dans la congrégation des riches. Vous allez apprendre qui vous êtes. Vous allez connaître qui vous êtes. Certains d'entre vous, vous allez rentrer dans une période d'apprentissage. Vous allez beaucoup apprendre. Hein, riche Viviane. Vous êtes protégé. Il y a beaucoup de protection sur vous. Riche Monique, bonjour. Vous allez avoir des événements imprévus, mais ce sera dans le bon sens. Hein, riche, merci. Tu avais prévu recevoir 2 millions
Mais un imprévu est arrivé et tu as reçu 7 millions. Voilà le genre d'imprévu qui t'attend. Hein, riche Monique, Monique Claire, riche Monique, c'est ça qui t'attend. Recevez vos imprévus d'argent. Recevez vos entrées. Oh, l'onction qu'il y a sur moi ce matin-là. Depuis le matin, si je ne sais pas pourquoi. Je ne fais pas souvent trois directs. Je ne fais pas souvent trois directs. J'ouvre ton esprit. J'ouvre ton esprit, je t'habille à nouveau. Je déclare que tout le retard, tout le temps que tu as perdu, tu dormais peut-être, ou tu étais découragé, ou tu pleurais, ou tu t'apitoyais sur ton sort, je ne sais pas ce que tu faisais. Mais je déclare, hein, que ce retard que tu as perdu, tu le rattrapes. Tu cherches la maison depuis, je déclare aujourd'hui que tu t'installes dans ta maison. Ce soir, tu reçois, 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 reçois la maison que tu cherches depuis au nom de Jésus. Pour certains d'entre vous, les projets de cœur, les choses qui vous tiennent à cœur depuis la saison de ça. Tu vas mettre sur pied ton ONG. Tu vas mettre sur pied ton association. Reçois les fonds. Reçois les finances au nom de Jésus. Reçois les collaborateurs au nom de Jésus. Reçois l'agrément dont tu as besoin au nom de Jésus. Toute personne qui t'a découragé. Le meilleur endroit où tu veux être sur la terre, c'est là où ta mission de vie se trouve. J'ouvre les collaborations, les financements. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'aurez plus jamais de fausses promesses. J'expose tous les gens qui ont menti. J'expose tous vos détracteurs au nom de Jésus. Allô? Ah, je suis en prière, monsieur. Parle vite. Si ce n'est pas l'argent que tu veux me donner, tu me. Dis-moi, dis-moi. Non, il ne peut pas venir, monsieur. Je suis en train de brasser l'argent ici, là. Hein? Vois tout, tu filmes, tu prends tout ce qu'il faut. Je ne peux pas venir maintenant, monsieur. Je suis en train de faire d'argent très compliqué. Toi-même, tu comprends. Je veux que tu vérifies, tu confirmes. Tu comprends, non? Voilà. D'accord, pas de problème. Maintenant, parle au niveau de la personne qui le fait. Dans une heure, je vais sortir. Je vais dans un autre endroit et de là-bas, je t'appelle. Tu as compris? Une heure. Donne-moi une heure. OK? Voilà. Attends, pas continuer mon argent. L'argent était venu sur moi là. Moi, j'aime l'argent. Écoutez, je peux me motiver seul. Je fais mes choses seul. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Je me lève le matin pour ça, je suis contente seule. Oui. Je fais mes choses, ça me plaît moi seule. Recevez la joie. Oui. Animez-vous vous seul là. Où tu es? Voilà. Les projets de cœur que tu voulais faire depuis, je déclare, ta saison est arrivée. Et quand tu t'alignes dans la mission que Dieu t'a donnée, il y a une énergie là, il y a une puissance. C'est comme si tu as brisé les barrières. Je déclare, dans ce mois de mai, que tu vas commencer tes projets de cœur. Toute barrière qu'il y avait sur toi, je détruis. Au nom de Jésus. Tu commences le travail de Dieu, lui-même aussi ouvre ton travail que tu voulais faire depuis là. Je vous ai dit que la formation pour les dons spirituels, c'est le premier et le deux. Faites la formation là. Parce que l'onction qui est sans dans moi là, écoutez, ce qui est en vous doit vous donner l'argent. Vous m'en donnez l'argent pourquoi? À cause de mes dons, non? Dieu peut ouvrir pour vous. Je vous sors de l'obscurité. Toute mauvaise voie que tu avais prise, voilà, cadre de la mauvaise voie. Tu étais perdu. À chaque fois, on vient toujours te rendre, t'enfonce encore dans le trou. Je déclare que tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les. Complétez-moi la phrase là. Those that are led by the Spirit of God are the. Commentez-moi ça là-bas. Allez-y, allez-y. Commentez, commentez. Ma saison est là, ma saison est là, ma saison est là. Oh yes, yes, yes. Ma saison est là. C'est quand je me suis aligné que j'ai vu comment l'argent vient de partout. Ça t'est tout dit même. Je viens t'ancrer. Il y en a parmi vous que vous êtes déstabilisés. Vous êtes dans des relations déstabilisantes. Au nom de Jésus, je déclare que vous êtes stabilisés. Reçois Erika. Reçois Anelka. Marie reçoit enfant de Dieu. C'est ça. Vous connaissez. Oh, yes. Oh yes, les anges te protègent, la carte de la protection. J'active cette protection. Je déclare que tout combat que tu menais dans le sommeil depuis 2, 3, 4 jours, une semaine, je déclare que cette nuit, c'est toi qui vas les taper au nom de Jésus. J'active ta barrière de protection au nom de Jésus.
Je déclare que ton sang est activé. Ta connexion avec les ancêtres est activée. Au nom de Jésus. Si tes oreilles étaient bouchées, je débouche tes oreilles spirituelles au nom de Jésus. Je te fortifie. Je te connecte à ta terre. J'active ton pouvoir. Beaucoup ici, là, vous êtes des agents de lumière. Dieu t'a déjà dit ce que tu dois faire pour apporter la lumière dans ce monde, mais tu étais bloqué. Je déclare aujourd'hui que tu ne seras plus jamais bloqué. Reçois les clés de ta voiture cette semaine. Reçois les clés de ton appartement, de ta maison que tu as acheté cette semaine. Reçois les clés de l'appartement de ton enfant, ton fils qui voulait acheter la maison. Reçois ton crédit bancaire que tu attends depuis au nom de Jésus. Reçois l'ouverture du compte bancaire qu'on avait bloqué depuis là. Reçois ton garant qui va permettre de faire ton visa au nom de Jésus. Ah, karababo shekata, ebro sokoto. Toute malédiction qu'on avait mise sur toi, quand tu m'écoutes, je détruis ces malédictions au nom de Jésus. Je sens une lumière qui sort de toi, qui est en train de s'étendre. Tu es en train de détruire la barrière qui t'empêchait d'arriver à ton prochain niveau. Déclare que je monte à mon prochain niveau. Écris là-bas. Je monte à mon prochain niveau. Tu dois brasser les millions. Tu vas me parler en disant, prends-moi 20 000. Prends-moi 15 000. Tu prends 3 semaines pour payer 15 000. Hein? Reçois. Je viens clarifier tes rêves. Allô? Oui, oui. On a dit une heure. Tu es venu avant une heure. Pas de souci. J'étais en train de chauffer les gens en ligne ici, là. Il y a les grâces que j'ai en train de verser ici, là. Donc, donne-moi quelques minutes, s'il te plaît. Il y a beaucoup de choses que j'ai en train de verser ici, là. D'accord, merci. À tout de suite. Mm-hmm. Je vous fortifie. Voilà l'argent qui me cherche. Je déclare quand l'argent te trouve chez toi. Toute personne qui t'extorquait de l'argent, qui avait pour projet de t'extorquer de l'argent, j'expose ces personnes au nom de Jésus. J'active tes pouvoirs naturels au nom de Jésus. J'active tes pouvoirs naturels au nom de Jésus. Je déclare que tu gardes ton calme. Toute personne qui était là pour te faire perdre ton calme, je déclare que la personne ne te trouve pas. Au nom de Jésus, je t'active. Je déclare quand tu m'écoutes, tes rêves se réalisent dans cette saison au nom de Jésus. Je déclare que tes rêves se réalisent au nom de Jésus. Oh, rababababa shikatarabako sokoto. Ebrakatarababo shenta. Ebrikatarabako sokoto rababashi. Ebrekatonarabako sande. Ebrushkebalo kosa. Tout secret qu'on avait caché sur toi qui te bloquait, je déclare qu'ils viennent t'avouer. Tes déclaquants viennent t'avouer au nom de Jésus. On te montre le visage dans le rêve. On te montre le visage dans le rêve au nom de Jésus. J'écrase tout Goliath, tout serpent, tout scorpion qui s'était monté contre toi au nom de Jésus. J'active tes dons. J'active ton pouvoir. J'active ton pouvoir de guérir les gens. Tu commences par toi-même d'abord au nom de Jésus. Tu ne peux pas rester sur place. Bouge-toi, allez. Bouge-toi, ma chérie. Les clients m'ont dit, mais la femme, c'est là, qu'est-ce qui se passe avec elle, non? Mais ça me plaît. J'aime venir ici, là. Hein? J'aime venir dans ton salon. Parce qu'elle vient, tu me motives. Recevez. J'aime acheter tes produits. J'aime parler avec toi. Oh, rabababababa, shekata, rabako, sokoto. Ils vont ouvrir la bouche pour dire ce qu'ils aiment chez toi. Tu vas reprendre confiance en toi au nom de Jésus. Reprends confiance en toi au nom de Jésus. Allez, relève-toi, ma chérie. Ils sont qui? Ils te connaissent? Ah, j'active tes dons. Tous les pouvoirs qu'il y avait en toi qui dormaient. Hein? Tu avais ça quand tu étais petite. Une femme est venue te dire que non, on ne passe pas comme ça, la salle. C'est pas n'importe qui fait ça. Hein? Hein? Tu sais, ça te décourage. Tu rentres, tu dis à tes anges que ouais, enlevez-moi le pouvoir si. La femme là m'a dit que je te redonne cette onction au nom de Jésus. Yeah! C'est quand c'est venu me lever, je vais courir. Toute personne qui suce ton énergie, tout ennemi, la carte des ennemis, tout ennemi dans ta vie, je les éloigne de toi. Ils ne te retrouvent plus. Et je les identifie. Tu sais que tu as des ennemis cachés, non? Ils sont autour de toi comme ça, là. Non, ma mère, ma tata. J'expose le visage de tes ennemis. Oui. Je les expose.
Je coupe leur tête dans le spirituel. Je coupe leur tête dans le physique. Tout business que vous avez commencé avec eux, ils avaient prévu de te sucer. J'expose cela. Tu ne vas plus perdre 5 francs. Toute personne qui t'a traumatisé, la carte des traumatismes, on t'a traumatisé. Peut-être dans ton mariage précédent, on t'a traumatisé. Oh, relation précédente. Oh, business précédent. Oh, le bailleur là t'a traumatisé. Il a pris tout ton argent et est parti avec. Je déclare aujourd'hui, quand tu m'écoutes, je t'enlève tout traumatisme que tu as eu dans ton esprit. Écris cela, je suis restauré. Je suis restauré. Je te restaure. Je te restaure. Je te restaure au nom puissant de Jésus. Quand tu étais jeune, tu avais l'énergie. Tu courais après les clients. Tu parles. Tu parles. Tu étais dans l'abondance. Oui, ils ont vu ça. Ils ont dit que non, on doit bloquer la fille ici. On doit bloquer. On part, on fait tous les coups. On vient fermer ton bar. On ferme ton bar. Non, 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 non. Je déclare, je décrète. Ton business est ouvert à nouveau au nom de Jésus. Je déclare ton abondance. J'appelle tes clients. Je causais même avec qui la personne me dit que oui, elle est venue me visiter cela l'autre jour. Elle me dit que wow, en décembre, j'avais des clients. Mais voilà, aujourd'hui, je pouvais vendre 100 000 francs par jour. Elle fait dans les massages, les gnagnagna, les trucs du corps là. Que me voilà aujourd'hui, par semaine, même deux clients, je n'ai pas. Tout bailleur démoniaque qui s'est assis sur toi. Toute bailleresse qui t'intimide. Quand tu à loin l'endroit, tu avais dit que tu allais faire ton business après. Hein. Maintenant, quand tu rentres, tu commences à faire, eh bien, c'est quoi ça? Je ne veux pas ça ici. Hein. Tout bailleur qui a voulu te frustrer sur ton activité, je ferme sa bouche. Je ferme sa bouche. Tout bailleur qui allait comploter contre toi, qui a versé des choses, qui a enterré quelque chose dans la maison où tu vis là, qui a encore suscité ton énergie la nuit, je déclare, comme tu m'écoutes, tout ce qu'ils ont mis dans ton ventre, ça sort. Mets la main sur le ventre. Mets la main sur le ventre. Mets la main sur le ventre. Je commande à tout serpent, tout scorpion dans ton corps d'être détruit au nom de Jésus. Je détruis ces entités au nom puissant de Jésus. Je les détruis. Je les détruis. Je les détruis. Voilà. Je prononce le jugement sur tes ennemis. Vous voyez? Jugement sur tes ennemis. Ennemis. Judgment day for your enemies. Je retourne ça, ce qu'elle a planté dans ton corps là. Je l'envoie ça sur elle. Je multiplie la puissance de ça par 7. J'envoie la veste qu'elle a envoyé là sur toi. Je lui envoie la veste là au nom de Jésus. Oui. Voler tes finances. Je déclare qu'elle va devenir pauvre elle-même. Je restaure tout ce qu'elle t'a volé. Toute attaque mentale que tu reçois, psychic attacks, toute attaque mentale dont tu as été victime ces derniers jours, que tu as été stressé, tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas ce qui t'arrive, mets la main sur la tête. Je m'accorde avec la reine Jocelyne. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche, ouvre ta bouche. Tu vas te lever aujourd'hui. Je m'accorde avec la reine Jocelyne. Je reçois la santé mentale. Je reçois mon activation au nom de Jésus. Je te plante là où on t'avait déraciné. Tu étais entré dans un endroit et que voilà, vraiment, tu as la faveur. Tu seras maintenant ici. Tu as telle position. Après, quelqu'un vient, il parle mal de toi. On te retire. Toute position de faveur que tu avais eue et qu'on est venu te retirer, je te la redonne et encore plus, avec plus d'avantages. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ceux qui demandent les cartes, vous les mettez dans le... Prenez leur numéro, vous mettez dans le groupe de lecture de cartes, s'il vous plaît. Ne répondez pas à quelqu'un sans mettre son nom là-bas. Merci. D'accord, madame, vous allez créer un groupe de lecture de cartes. Groupe consultation, tu écris, tu mets cartes en bas. Je mets de l'ordre dans tes affaires. Je mets de l'ordre dans tes affaires, dans ta tête. Tu réfléchis clairement. Tu vois, avant, tu voyais comment ça peut se passer, comment c'était clair. Après, quelqu'un vient, tu parles avec lui une heure de temps, comme ça, brrr, il embrouille tes pensées. Après, tu dis que je ne veux même plus faire. Maintenant, comme tu m'écoutes là, hein, je te remets le business là dans la tête. Je remets l'ordre dans tes choses. Je remets la paix dans tes idées. Voilà. Amen. 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 Voilà. Tout
ce que tu as reçu, hein, ça ne sera pas, ça ne va pas plus quelque part. Toute autre recharge, tu ne seras plus déchargé. Amen. Bon, à tout à l'heure. Souriez, souriez. On va toujours sourire après tous les directs. Souriez, souriez. 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 The joy of the Lord is my strength. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est votre force. Tout ce que tu viens de recevoir là, ça te trouve avec la joie. Mm-hmm. Toute carte que tu as demandé la lecture, écris une box. Je vais faire vos cartes tout à l'heure. Il y a le rituel pour les cordes là, ok? Ceux qui devaient les rituels pour couper les cordes. Cordes maléfiques, liens d'âme. Si on t'a attaché quelque part, tout ça là. Ce rituel là, c'est 10 600 francs. J'ai besoin de votre localisation géographique aussi, là où vous trouvez. J'ai écrit dans le groupe tout à l'heure, il y a des gens qui sont en train d'envoyer les trucs pour ça. Quoi encore? Je vous fortifie. Allez, on sourit, on sourit, on sourit. Le Seigneur est là. Hey, vigile, je vais t'enlever de ma page. Hein. Trop de persécution. Vous voulez vous plaindre? Je me mets, j'ai pris. Tu viens, tu veux gagner. Ah, pardon. Lou, tu ne peux même pas gâter ma joie, pardon. La joie du Seigneur est ma force. Alléluia. Alléluia. Que la joie du Seigneur soit avec vous. Que la Vierge Marie marche avec vous. Notre mère. C'est notre mère. On doit la soulever jusqu'au ciel. Et maman Marie. On doit la soulever jusqu'au ciel. Voilà. Je mets la paix dans votre cœur. Voilà. L'argent arrive. Écrivez ici là. L'argent arrive. Pardon, écrivez. Même pas pour vous, écrivez pour moi. L'argent arrive. Écrivez. Je veux voir la première personne, les trois premières personnes à écrire. Allez, je veux voir les gens qui ont la main sur le téléphone là. Je vois. Oh, première personne, c'est qui? J'attends tout le premier commentaire de l'argent. Eh, Maëlys. Deuxième encore, c'est Maëlys encore. Maëlys James. Solène Maëlys, je vous bénis au nom de Jésus. L'argent arrive. Ne mettez rien d'autre à côté. Écoutez-moi, l'argent arrive. Ne mettez pas le gros, le petit, le gnagnagnan. L'argent arrive. Recevez. Vérifiez vos comptes. Vérifiez. En ouvrant le compte, tu dis que, elle m'a dit que l'argent est là. Vous avez reçu. Tu gagnes seulement. Vous avez reçu. Tu cherches. Oui. Je vous fortifie. Je bénis vos offrandes. Toutes vos dîmes que vous avez payées. Je bénis. Et je vous bénis vous-même. On sourit toujours. Bye. J'ai pas envie de partir, mais on m'attend. Bye bye. Oh Seigneur. Ne dites pas mon argent. Moi, ça va venir. Écoutez, hein, quand tu dis que mon argent arrive, ça va venir, tu ne vas pas vouloir dépenser. L'argent, hein, c'est l'argent pour faire ce que Dieu t'a dit de faire. Edwige Sandy dit, écoutez, l'argent arrive. Moi, je ne suis que le carer. Je ne suis que celui qui entretient. Quand tu vas déposer ton argent à la banque, ce n'est pas pour le banquier, c'est pour toi, non. Le banquier touche seulement. Si tu dis que vis comme ça, il vit. Si tu dis donne-moi, il donne. Si tu dis fais comme ça, il fait. Donc tu dis l'argent arrive. Maintenant, quand ça vient, Dieu te dit fais comme ça, tu fais. Dieu te dit fais comme ça, tu fais. C'est comme ça. Quand tu dis mon argent, ça va venir, tu vas dire, tu vas t'asseoir sur ça. L'argent coule. L'argent coule. Recevez l'abondance d'argent. Ça entre, ça sort. 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 Recevez. Recevez. Maman, c'est grave. Je ne sais pas ce qui m'arrive au dernier temps. Bye bye. Pour moi, c'est grave. Pour moi, c'est grave. Bye bye bye.